so don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I love it, love. Colonel, elle est encore en vie. Il ne reste plus grand-chose d'elle. Achevez-la. Mais monsieur... Vous contestez mon autorité? Non, bien sûr que non, mon colonel. Attendez. Finalement, elle pourrait nous être utile. Le projet OPTI a besoin de sujets dans cet état. Ramenez-la à la base, nous allons la transférer. Bien, mon colonel. Bon retour parmi les vivants, soldat Karen Baker. Je suis le colonel Herbert McDavis. Vos hauts faits nous prouvent que vous êtes dévoué à votre pays, quoi qu'il en coûte. Vous étiez un atout pour cette armée. Malheureusement, l'accident que vous avez eu vous rend inapte au combat. Soyez forte, car ce que je vais vous dire risque de vous bouleverser. Monsieur, vous devriez éviter de lui dire cela tout de suite. Nous n'avons plus le temps pour les formalités. C'est pas des formalités, mais c'est pour sa stabilité physique et mentale. Que ne comprenez-vous donc pas avec plus le temps? Ah, c'est votre responsabilité alors, mon colonel. Nous sommes d'accord. Alors écoutez bien, Baker. Il ne vous reste plus qu'un bras et les autres membres ont été désintégrés par l'explosion. Vous avez plusieurs organes perforés et du shrapnel se dirige peu à peu vers votre cœur. Votre cerveau a aussi été endommagé. Nous vous donnons quelques heures pour survivre. Elle est en train de s'emballer. Il faut la calmer. Infirmière, ramenez quelque chose pour elle. Non, attendez. Nous avons cependant un projet top secret dirigé par le docteur Kawashima ici présent, qui se nomme Projet OPTI. Nous recherchons des soldats déterminés mais dégradés par la guerre, qui sont encore prêts à se battre avec cette fois-ci un corps optimisé par la technologie. Tous vos problèmes actuellement disparaîtront. Vous deviendrez un super soldat pour votre gouvernement. Cependant, votre humanité sera mise à rude épreuve. J'espère que vous accepterez. Vos compétences nous seront très utiles. Vous pouvez cligner 2 fois des yeux pour confirmer cette opération. J'ai pas peur. Le truc... Retirez le tube. Mais monsieur, vous... Tout de suite. D'accord. J'ai pas peur de votre truc. Je vais tous les démolir. À la bonne heure. Combien de temps pour lancer l'opération, Kawashima? Environ 1 heure ou 2. Parfait. Je suis content que vous soyez encore déterminé. Vous serez un très bon élément dans ce projet pour détruire ces terroristes une bonne fois pour toutes. Reposez-vous. Cette opération sera éprouvante pour vous. Ah, vous voilà réveillé. Vous êtes dans la salle d'opération. Je suis désolé de vous le dire ainsi, mais vous allez devoir rester éveillé tout le long de l'opération et subir ces changements sans anesthésiant. Vous allez souffrir atrocement et j'en suis désolé, mais c'est le seul moyen de réussir l'opération. Restez le plus éveillé possible. Si vous vous évanouissez, vous risquez d'y perdre la vie. C'est une opération très compliquée. J'ai vécu pire que des petites piqûres de docteur. C'est pas ça qui va me faire peur. Ah, j'admire votre voracité, Karen. Mais je vous assure, peu de sujets ont survécu. Et si certains ont survécu, soit ils rejoignent le projet OPTI, soit ils sombrent dans une folie pure à cause de la douleur. Je suis plus qu'un sac de viande. Il ne peut plus rien m'arriver de pire. À l'heure, je suis prête. Alors nous y allons. Bonne chance à vous. Mettez la musique. Je suis désolé, Karen. Attention, attention. Calmez-vous, calmez-vous. Attendez, attendez. Je fais juste ça et... Attendez, là, ça va faire très mal. Oui, je sais. Je suis désolé. Je suis désolé, Karen. I was sick and tired of everything when I called you last night from Glasgow. All I do is eat and sleep and sing, wishing every show was the last show. Soldats, ou devrais-je dire, optimisés, vous avez été choisis pour être les élites, le fleuron de la technologie de guerre, la plus puissante au monde, un humain dans un corps robotique, la stratégie et l'improvisation liées à la puissance et à la vivacité. Grâce à vous, ces terroristes pro-humains ne pourront rien faire. Et votre première mission est de démanteler le commandant Sullivan Fish, bras droit du leader des pro-humains à Boston. Soyez sans pitié. Ils n'hésiteront pas à vous tirer dessus et vous n'êtes pas totalement imperméable aux balles. Les détails de la mission vous seront donnés dans votre codec. Vous pourrez directement lire le document via votre œil. Départ dans 30 minutes. Repos. Alors c'est lui, Sullivan. Ça va pas être évident d'avoir vu la sécurité. Hey, ma mignonne. Alors comme ça on rejoint les meilleurs de l'armée ? Tu es passé sous le bureau avec ton dernier bras valide avant d'être transformé en machine de guerre super sexy, hein? Mon attirail reste authentique si tu veux te faire un vrai mec. Tu me prends pour ta chienne? Quoi d'autre? Rapproche-toi, ton sex-appeal me fait tourner de l'œil. Ah ouais? Ah putain de merde! Elle m'a broyé les couilles! J'espère que je me suis bien occupée de toi. Oh merde, je saigne! Elle m'a vraiment détruit les couilles, salope! Qu'est-ce que tu as foutu, Baker, bordel de merde? Le soldat Louis tenait des propos sexistes et tentait en vain de marceler. J'ai trouvé bon de lui rappeler que les femmes ne sont pas aussi faciles qu'ils le pensent, mon colonel. T'as pas d'humour, chienne! Tu as détruit ce qui fait de moi un humain! Si tu fallait tes bijoux pour te penser humain, alors t'es un mec triste. Il suffit, Baker! Vous rendez-vous compte que vous venez de mettre à l'arrêt un optimisé? Vos caprices féministes n'ont pas la place ici. Nous sommes des soldats. Pas des hommes, ni des femmes. Bien, mon colonel. Dans ta gueule. Et vous, si vous n'êtes pas foutu de garder vos pulsions d'ado prépubère, je vous conseille de travailler dessus si vous ne voulez pas perdre le peu d'attributs qu'il vous reste. Allez à l'infirmerie. Mais je peux pas marcher. Ah, j'ai super mal. On vous a foutu des jambes robotiques, c'est pas pour faire joli. Bien, mon colonel. Bon, bougez-vous. Prenez l'avion tout de suite. Bien, colonel. Nous n'allons pas faire dans la dentelle. On fonce, on défonce tout ce qui tient une arme ou qui est une potentielle menace. Et on trouve ce Sullivan. Bien. Un saut. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Vite, avançons! Ils se sont peut-être échappés avant l'explosion. Une partie, fouillez les décombres pour confirmer les morts. Ce sera fait. Non. C'est pas possible. Pourquoi? Mais tu fous quoi, Baker? On vient de tuer des innocents. Ils avaient rien à voir avec notre combat. Et alors? Ils étaient peut-être complices, on est sûr de rien. Donc dans le doute, on tire. Tu as un problème avec ça? Il y a encore des survivants. C'est pas vrai. Ça va, je suis là. Calme-toi. Calme. On n'a pas le temps pour ça. Mais il est blessé. C'est qu'un enfant. J'ai dit, on n'a pas le temps. Bouge ton cul, Baker.